Bonjour et bienvenue à cette troisième Team Parole, partage de la parole de Dieu sur le troisième poème du serviteur du livre d'Isaïe. Alors, comme chaque fois, eh bien, nous allons commencer en invoquant l'Esprit Saint et en nous mettant en présence de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alors, je remercie tous ceux qui m'envoient, même après la vidéo, des conseils, des remarques ou des témoignages de ce qu'ils ont vécu pendant ces temps de parole. N'hésitez pas à continuer à le faire. Cela me permet de faire évoluer un petit peu ce temps de partage. Mais tout de suite, comme à chaque fois, eh bien, ouvrons ensemble le livre de la parole de Dieu. Dans le livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Certains d'entre vous m'ont demandé de leur laisser du temps pour partager. Alors, eh bien, je vous laisse ce petit temps maintenant pour réfléchir sur quels sont les personnages et quels sont les temps qui nous sont indiqués dans ce texte. Maintenant, je vous invite à écrire les lieux et les objets. Dans les objets, je vous invite aussi à inscrire les parties du corps humain dont il est question. Cela peut nous aider à découvrir le sens de ce texte.
de regarder et de vous laisser le temps pour écrire les séquences. Je vous donne ce que moi j'ai trouvé. Je ne sais pas ce que vous avez répondu, mais je vous donne, voilà, ce que moi j'ai trouvé. Alors certainement que j'ai dû oublier des choses, mais merci à vous de partager ce que vous découvrez. Dans le temps, il y a cette notion de chaque matin. Pour les personnages, bien sûr, le Seigneur, qui est aussi appelé le Seigneur, mon Dieu. Et puis celui qui parle, le serviteur. Il y a celui qui est épuisé, celui qui frappe le serviteur. Il y a aussi celui qui justifie le serviteur. Et puis, celui, ceux qui plaident contre le serviteur, ceux qui l'attaquent en justice. Pour les lieux, il n'y a pas vraiment de lieu nommé, mais comme il est question de justice, on peut penser à un tribunal. Les objets, alors il y a ces crachats dont il est question. Et puis, je vous parlais tout à l'heure des parties du corps qui sont nombreuses. Il y a l'oreille, le dos, la barbe, la joue, et puis la face qui est devenue comme pierre. À vous maintenant de voir comment vous découperiez ce texte, comment vous rassembleriez ce texte en séquences. J'attends vos réponses. Alors, maintenant, je vais vous dire comment moi, je rassemble ces textes en séquences. Il y a ce que Dieu fait pour le serviteur. Il y a tout ce que font les opposants, hein, qui commence par « j'ai présenté mon dos ». Voilà, tout ce que font les opposants au serviteur et la manifestation de cette opposition. Nous avions vu dans le deuxième texte qu'il y avait quelque chose qui ne passait pas dans la mission du serviteur, quelque chose qui avait été difficile à vivre. Voilà, et là, on a un petit peu la réponse de ce qu'il a vécu. Ensuite, il y a l'accompagnement de Dieu pendant ses épreuves et comment cet accompagnement va relever le serviteur. Et enfin, il y a comme ce nouveau départ, ce serviteur qui repart en mission comblé par le Seigneur, sûr de réussir dans sa nouvelle mission. Merci maintenant de partager une de vos paroles qui vous a marqué en lisant ce texte que nous pouvons relire.
Je vous laisse maintenant un petit temps pour réfléchir à ce que ce texte nous dit de Dieu, du serviteur, de leur relation, mais aussi de l'alliance. Pour ma part, il me semble que Dieu, serviteur et alliance sont très liés. Ce qui nous est dit de Dieu, c'est qu'il est un intime du serviteur. Il y a ce chaque matin, il y a cette oreille dans laquelle Dieu vient parler au serviteur, vient donner sa parole. Je pense à Samuel, qui était dans le temple. Et quand la quatrième fois Dieu l'appelle, on apprend que Dieu vient se placer à côté de lui et qu'il va l'appeler par son nom, Samuel, Samuel. Voilà, cette intimité. C'est d'ailleurs lui, Dieu, qui forme à l'écoute. Souvent, il y a des personnes qui nous disent « Ah, vous ne savez pas écouter. Moi, je sais écouter. » Souvent, ce sont des personnes qui parlent beaucoup et qui écoutent peu. Mais l'écoute, en fait, elle ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous donne d'écouter. C'est lui qui forme notre oreille par sa parole. Si nous voulons savoir écouter, eh bien, il faut devenir disciple du Seigneur et écouter sa parole. Voilà, être intime de Dieu et laisser Dieu être notre intime. Et puis, ce Dieu, eh bien, il est là, présent, dans la détresse. Il est le secours pour le serviteur. Et puis, Dieu, il façonne, ou plutôt, il permet au serviteur de se façonner. Grâce à lui, le serviteur a fait sa face comme une pierre. Vous voyez, grâce à l'amour, grâce au secours de Dieu, le serviteur grandit dans l'adversité à ceux qui s'opposent à lui. Il y a comme une collaboration entre Dieu et le serviteur. Alors bien sûr, le serviteur, eh bien, il est celui qui reçoit de Dieu. Il se relève. Il avance avec foi, avec assurance d'un Dieu qui est son soutien. Et par rapport aux deux premiers poèmes, et surtout le second, nous voyons, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'est la souffrance dont qu'il avait évoqué dans le deuxième poème. Et il semblait que sa mission n'avait pas été bien reçue et Dieu lui faisait confiance, souvenez-vous. Et bien là, on voit comment le serviteur a été maltraité et ce qu'était cette souffrance. Quant à l'alliance, en fait, elle se joue dans cette relation entre Dieu et le serviteur. Rappelez-vous, dans le premier poème, Dieu nous avait dit du serviteur, « Je fais de toi mon alliance ». Et dans le deuxième poème, il avait appelé le serviteur Israël, comme pour dire que le serviteur, c'était peut-être une personne, mais c'était aussi tout le peuple. Donc ce que Dieu vit avec ce serviteur, ce que ce serviteur vit de l'intimité de Dieu, eh bien, c'est l'alliance. L'alliance que Dieu
veut avec son peuple et avec tous les hommes, bien sûr. Donc il veut vivre cette intimité. C'est une alliance qui se vit dans l'écoute, se laisser former à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu nous parle. Quand nous lisons la Bible, Dieu nous parle. C'est un Dieu qui accompagne ceux qui souffrent. Et non seulement il les accompagne, mais il est leur secours, il les relève, il les fortifie. Et c'est une alliance où il y a une collaboration entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas que Dieu qui agit. Dieu permet à l'homme d'agir, comme il le fait pour le serviteur, qui, grâce au soutien de Dieu, va faire de sa face une pierre pour affronter les difficultés. Et puis, cette alliance, elle est une force finalement que le serviteur reçoit de Dieu. Je vous laisse maintenant avec ces deux questions, à savoir qu'est-ce que ce texte nous dit de Jésus, comment on peut le relier à Jésus, et puis comment il vient éclairer ce que nous vivons, plus particulièrement ce que nous vivons à chaque Eucharistie. Pour le lien à Jésus, il semble évident, tout ce que vit ce serviteur, eh bien Jésus va le vivre dans sa passion. D'une certaine manière, c'est comme si il nous était décrit dans ce texte la passion de Jésus. Ça ne veut pas dire que Isaïe avait vu ce qui allait se passer lorsque le prophète fait une prophétie, il n'est pas là pour dire « Ah, dans 300 ans, voilà ce qui va se passer. » Non, il est là pour nous dire la parole de Dieu. Et Jésus, il est cette parole. Et lorsque cette parole, eh bien, elle s'incarne dans un personnage, dans une image, bien forcément, nous pouvons y voir celui qui s'est incarné, cette parole qui s'est incarnée, Jésus. Quant à la messe, on voit bien les deux tables qui nous sont données. La table de la parole que nous vivons lors de la messe, lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Est-ce que nous demandons au Seigneur d'avoir cette oreille attentive lors de la parole, de former notre oreille à sa parole. D'où l'importance, voyez, de ne pas lire pendant la messe. Isaïe n'a pas dit « J'ai fait de toi un texte et j'ai ouvert tes yeux pour que tu lises le texte ». Non, il dit « J'ai ouvert ton oreille pour que tu sois attentive à ma parole ». Et puis la deuxième chose, c'est la deuxième table de l'Eucharistie, où nous faisons mémoire de la passion. Là, c'est lorsque Jésus, lorsque le serviteur est accablé, et puis, bien sûr, mémoire de sa résurrection. C'est Dieu qui relève le serviteur, et le serviteur qui eh bien, est prêt à, comme une deuxième mission, c'est le Christ ressuscité qui apparaît à ses disciples. L'Eucharistie, c'est bien ce moment où nous faisons mémoire de ce Christ mort et ressuscité.
En fait, j'ai une question à vous poser. Une question qu'on peut démultiplier. C'est la question de l'intimité. Quelle est mon intimité avec Dieu? Comment est-ce que je vis cette intimité chaque jour? Alors, comment est-ce que je vis cette intimité grâce à la parole de Dieu? Et comment je me laisse ouvrir l'oreille par Dieu pour l'écouter? Et l'écouter aussi à travers les frères qui me parlent. Comment est-ce que je vis cette intimité comme une force par laquelle Dieu m'accompagne, me relève et me donne cette espérance dans les épreuves comme en ce moment pendant le confinement? Et puis enfin, comment la célébration de l'Eucharistie me fait vivre cette intimité avec Dieu? Je dis bien la célébration de l'Eucharistie. Pas simplement le moment de la communion, bien sûr, le pain de vie, c'est une force pour la route. Mais en ce moment de confinement, on se rend compte que ce pain de vie, il n'est pas le tout. Ce n'est pas parce que on ne communie pas, et même ce n'est pas parce que on ne voit la messe que par une vidéo, que l'on ne peut pas s'associer à cette célébration et prier le Seigneur et le rencontrer en communion avec pas simplement ceux qui regardent la même vidéo, peut-être à une heure différente, mais avec tous ceux qui, ce jour même, essayent de prier en communion, bien sûr, avec notre évêque, tous les évêques et le pape. Alors comment cette célébration de l'Eucharistie nous aide à vivre cette intimité avec le Christ, cette intimité avec Dieu. Merci pour ce temps de partage que nous venons de vivre ensemble. Eh bien, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur et redire cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée. À demain, même heure, 19h15 pour une première et un nouveau partage, le dernier sur les poèmes du serviteur du livre d'Isaïe. Et comme nous y invitait Sainte Louise de Marillac, soyons support les uns pour les autres.